Et bien sûr tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de notre incroyable aventure sur Alan Wake 2, évidemment aventure horrifique. J'espère que votre cerveau est bien branché parce que là, c'est pas le moment de s'endormir. Nous sommes était-elle meurtre proche je de la fin, m'y faufiler. Vous l'aurez compris, la secte du mot. Allez c'est parti. Oh waouh. Première étape vers le lieu du crime, je progressais nettement. Quelqu'un s'était barricadé dans la pièce. Porte ? Et là, il y a une autre porte ou pas ? Attendez. Est-ce qu'il y a une autre porte de l'autre côté ? Salle de repos en bas. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres portes de l'autre côté. Compliqué cette histoire. Ok, ça c'est pas mal ça. J'aime bien. J'oubliais quelque chose. Ah, faut pas oublier quelque chose. Il y a toujours ces symboles hein, quand même, c'est incroyable. Hein. J'oubliais quelque chose, mais qu'est-ce que je pourrais bien oublier? Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. N'en dites pas plus. Par conséquent... On va retourner au mode normal. La scène changea avec l'histoire. Et on passe, c'est bon. On est bon. Là, ça va swinguer. Ok. Je crois que ça vous ferait du bien de cracher le morceau. C'était une cérémonie d'initiation. Enfin, c'est ce qu'on a fait croire aux nouveaux membres. Deux beaux poulets de New York. Ils nous ont rendu des tas de services pour intégrer nos rangs. On leur avait prévu un truc spécial. Et un truc vraiment spécial pour vous, Alex Casey. Qui est votre chef ? Alan Wake ? Grincement ? Zane ? Je veux un nom ! Vous ferez bientôt sa connaissance. La corruption était sans limite. Ça allait avec le genre. Alors je l'utiliserai. Les poulets de New York. Bon, on va réécrire ça. Ok. Et là, on va passer en poulet de New York, tout simplement. Ah. Ah bah mince. Je voulais pas ça comme ça. Waouh. Bon, oh waouh. Très bien. Sacré projecteur qui plus est. C'est un cinéma, normalement un cinéma c'est pas si grand que ça, hein, à part quelques salles de projection. Hein. J'espère que vous comprendrez. Waouh, 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 on va save. Doucement, l'astico. Tu sais ce qu'on dit, quand ça sent le moisi, pas trop faire les fous. Ok. Oh waouh. J'ai deux choses à mettre dans cette salle. Mais avant cela, il va falloir que j'aille sur scène. Les gens urbaines autour de Thomas Zane était un puissant fond. J'avais bien creusé. Pour les dingues du 7e art, c'était une légende du cinéma d'art et d'essai. Une star montante, venue droit de Finlande jusqu'en Amérique. Mais il n'avait tourné qu'un seul film,
Tom, le poète, avant de disparaître. Tout comme le personnage principal de son film, qu'il avait incarné lui-même. Le plus grand mystère concernait son film perdu, une œuvre de jeunesse faite en Finlande, Nightless Night. La rumeur disait qu'il avait des vertus mystiques. Certains disaient que c'était un snuff movie et que le crime rituel du film était un vrai meurtre. Apparemment, il n'existait plus aucune copie du film, mais la secte en cherchait comme un véritable Graal. Exactement comme les livres de Wake. Ok. Tu es un personnage de mon histoire, c'est ce qu'il dit. Ok. Tellement suspects tous. Vas-y, quoi, hein. Oh, le bâtard. Les flics avaient eu droit à leur minute de gloire avec la secte. Et ça avait été mortel. C'était les victimes du meurtre. Je devais me faufiler dans la cabine de projection. Ok. Trouver un moyen d'entrer dans la cabine. Et bon, on y va. Porte verrouillée. Ok. Trouver un moyen de se faufiler dans la cabine. Alors comment? Ah. Comme ça. D'accord, j'ai compris. Vous suivez votre maître. Vous suivez votre maître jusqu'aux portes de la folie. Vous êtes qu'une bande de clowns encapuchonnés avec des masques bizarres qui jouent à la société secrète. Peut-être que c'est plutôt vous qui jouez un rôle, monsieur Casey. Un rôle soigneusement taillé pour vous. Un pantin qui suit aveuglément les étapes rituelles à la gloire de la secte. Mais bordel, qu'est-ce que vous avez fumé ? Nightless Night. Un bout du film a survécu. Vous verrez, monsieur Casey. Dans Nightless Night, vous comprendrez enfin. Nightless Night était le film de Zane. Oui, c'est Snake. Il joue un rôle dans cette histoire. Je suis trop bien.
Ok. On est parti. La lumière de la lampe surgit de l'écran et révéla une porte. La lampe de Zane était éteinte. Je pouvais lui passer la lumière de ma lampe. Je comprends rien, putain de merde. Je comprends rien. Je vous jure que... Trouver un moyen d'entrer dans la cabine et fouiller la ruelle. Je dois fouiller la ruelle. J'étais de retour dans le noir. La ruelle sortie de loin des yeux indiscrets était parfaite pour l'horreur. Oh. J'ai 4 milliards de trucs à mettre. Allez, on va commencer par la secte. Ok. Quelqu'un avait trouvé la mort en chutant du toit. Eh bé ! Petite save. On est reparti. Ok. Ah. Beaucoup d'autres trucs. Beaucoup trop de trucs. Alors, bougez pas, qu'est-ce qu'on va faire, ça? Allez, ça dégage. Ok. On est reparti. Alors, on est reparti. Ok. Tu ne penses pas que je devais tenter de déplacer les lumières? Nous couper un doigt ou autre chose pour cette initiation? Non. On devra juste chanter un truc pour la cérémonie. Il n'y a pas plus simple. Eh ben, c'est pas trop tôt. On le mérite bien. On a fait disparaître beaucoup de leurs problèmes. C'est qu'on en a balancé des corps pour eux. Ce qu'on a pu faire ou pas faire, c'est du passé maintenant. On va atteindre les sommets, mon vieux. Ouais, ça va être comme le paradis après la mort. Ok. Je savais que je progressais. Je devais continuer. Ok, ok. Oh là là, c'est chaud! Ensuite. En fait, il y a moyen d'aller là-dedans, c'est ça? Ok.
devient compliqué un niveau énigme. Vous en doutez bien. Ah. Ok. Ok. C'est un merci, putain. Waouh. Atteindre les sommets. Les deux flics ripoux observèrent la ville. Leur ville. Ils avaient commis des horreurs pour en arriver là. Ils se disaient que ça valait le coup. Ok. Ah. C'est bon. Ouh, compliqué, hein. Allez sur le trou et trouvez le lit depuis lequel quelqu'un est tombé. Oh, wow. Le lieu depuis que ça a pu tomber d'où. Somme toute logique, j'irai de là. Et de là-bas, non? Ah. Ah. Il est dedans. Ok, c'est tombé de là donc. Yes, c'est tombé de là. Très bien, bon. Oh 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 oh. Tu crois que je ne t'ai pas vu, mais je t'ai vu. Bon, allez, ça c'est save. Ça commence à devenir compliqué. Je ne vais pas mentir. Allez, on va prendre un autre emplacement au cas où. Sur un malentendu. Ok. Allez! Ah non, je peux tomber, je crois. Ok. Ça, c'était les poulets. Il y a quoi là? Vous n'avez pas intérêt à bouger. Ou je vous flingue sans hésiter. Vous me tenez, monsieur Casey. Je suis à vous. Allez-y. Posez la question qui vous obsède. Comment c'est possible? Comment ça marche? Comment j'apparais dans ce film alors que j'en ai aucun souvenir? Expliquez-moi! Vous avez vu le film? Parfait. Vous êtes donc prêt à rencontrer le grand maître. Il attend dans la cabine de projection où tout vous sera révélé. Où il projettera une nouvelle réalité sur celle-ci. Allez, monsieur Casey, j'ai joué mon rôle jusqu'à la fin. Non! Non! Espèce de malade. Pourquoi est-ce qu'il a sauté, ce con? La cabine de projection. Est-ce que j'y trouverai la scène de crime? Le grand maître. Ok. Oh wow. Bizarre l'ambiance. Bizarre l'ambiance. Ok. Obscur, je dirais même. Ta mère.
Aujourd'hui, je dis... Aujourd'hui, je distribue de la cartouche, mon petit père. À deux doigts de mourir. Oh. Oh, j'aime. Merci de me rendre ce que j'ai dépensé. Ok. Oh. Ok, le mode du pouvoir. Par contre, je viens de par où là, je comprends pas. J'aime par où là, j'aime par là, ça. C'est ça que tu veux me dire? Impossible de savoir comment on peut ouvrir la porte de l'autre là. Qui était en haut, c'est très bizarre. Ok, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Non, parce que j'ai un mot, les gars. Et un mot spécial. Ajoute une charge à la lampe torche d'Alan. Marque tous les points d'intérêt et les ressources les plus proches. En vrai, ça, hein. Je pense que ça va tabasse, hein. Ok. Le monde autour de moi changeait avec intrigue. Ça va être chaud. Oh wow. C'est dur. Je boude. Ah là là. Ben ouais, mais je retiens ma respiration, frère. Moi, j'en peux plus de tout ça. Ça s'entend. Allez, on réécrit. Je touchais la solution du doigt. Et ça repart. Ok. Qui veut me tester?
monte à Schneck. Hein. Oh non, c'est trop, j'en peux plus. Quoi ? Tout ça pour ça ? Non. Non, je refuse d'admettre. Si je rentre là-dedans, là. Tout ça pour ça ? Oh yo 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 yo, j'ai commencé à m'énerver, moi, mon frère. C'est terrible. Ok. Oh non, va falloir me lâcher, là, je vous en supplie. Ok. On se barre. C'est bon, ça m'a saoulé. C'est bon. J'en ai marre, mon frère. Ok, on est parti. Le grand maître. Cette intrigue créerait quelque chose de terrible dans la scène. Et c'est ce qu'il fallait à l'histoire. Je me chie dessus, putain, c'est horrible. Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans? J'en sais rien, putain. Ok, il faut rentrer là-dedans. C'est parti. J'étais cerné par du matériel de cinéma. Je devais pouvoir rejoindre la cabine de projection. Ok. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 24, pardon. Ouais, j'en bégaye. Allez, à bientôt tout le monde, bye bye.